Salut la gang, je me présente Bruno Tessier pour le Pêcheur urbain. Aujourd'hui, on va parler du montage pour pêcher le sturgeon dans le fleuve Saint-Laurent, comme exemple. Donc, c'est fort simple, on prend un plomb coulissant de 2 à 5, 6, 7, 8 onces, dépendant de où ce qu'on pêche, suivi d'un émerillon bien ordinaire qu'on installe au bout de notre ligne matrice. Ceci pour empêcher notre plomb coulissant d'aller plus loin. Au bout de l'émerillon, on va mettre notre bas de ligne, qui est toujours plus faible que la ligne principale, comme ça, quand ça casse, soit à cause du poisson ou à cause qu'on est pris dans le fond, bien, on garde notre plomb et on perd juste un hameçon. Fait qu'on fait un. Ça se vend déjà tout fait en paquet, c'est un hameçon avec une boucle, comme on peut voir ici. Ou bien, moi je ferai dans une autre capsule, je vais vous montrer comment les faire vous-même. Comme ça, vous avez au moins le fluorocarbone, la bonne grosseur que vous voulez. Fait que c'est aussi simple que mettre la boucle dans l'émerillon et mettre l'hameçon dans la boucle. De cette façon-là, voyons, ça se bloque ici à la fin. Mon nez est trop long. Bon. Et voilà, de cette façon-là, ça se bloque ici à la fin. Fait qu'on a notre plomb et notre hameçon avec notre appât de ver de terre ou autre qui traîne dans le fond. Suivant ça, bien souvent, il y a un peu d'herbe dans le fond ici. Donc, si votre appât n'est pas dans le banc de sable ou dans un banc de petits graviers, le sturgeon ne le verra pas. Il va être dans le gazon, dans les herbes. Donc, pour contrer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met un bear paw connecteur, ça ici. Ça se vend surtout pour la pêche sur la glace. Moi, j'installe ça sur mes brimbales pour mettre un deuxième hameçon. Surtout à l'époque, à ce temps, je fais plus ça. On pêche tout à la canne à duguay avec des sonores. Anyway, tout ça pour dire qu'on met un deuxième hameçon un peu plus haut. Ça, c'est coulissant, fait qu'on peut l'installer où ce qu'on veut. Et de cette façon-là, notre hameçon se trouve à être juste en haut de la petite herbe. Fait qu'en ayant deux hameçons, c'est pas très long pour coulisser, mais on pêche pas la carpe. Là. Fait que j'ai pas besoin que ça parte, tu sais. Parce que bien souvent, les touches, ça va être seulement ça sur votre canne. Fait que si vous mettez des clochettes, vous verrez pas les touches. Fait que ça, c'est le montage que moi j'utilise ici à Montréal, pêcher dans le fleuve Saint-Laurent, le sturgeon, et ainsi que la barbue. Fait que sur ça, bonne saison de pêche, et n'oubliez pas de faire de la belle remise à l'eau. À la prochaine.